On est aux portes du Vercors. Le Vercors, c'est... j'ai grandi là-bas, j'y suis tout le temps. Donc ce qui est censé représenter le Vercors, c'est Saint-Nazaire en Royan et on va mettre une carrière là. Je vois pas l'utilité de faire ça. On est un des lieux, les seuls touristiques sur Saint-Nazaire. Il y a tout le temps du monde. Il y a le bateau à roues, il y a les grottes de Thaïs, l'aqueduc. Il y a des bâtiments qui sont exceptionnels en termes d'histoire. On va risquer de les fragiliser pour une carrière. Il y a un mec qui habite pas du tout ici qui va venir faire une carrière. Moi, j'allais tout le temps boire des bières à vanille, écouter les hiboux. Il y a des habitations en dessous. C'est-à-dire que bon, les animaux, ils vont racler. Hein. Un premier coup de pétard, ils vont se barrer. Les gens, ils viennent à la campagne. Ou des gens, ils sont nés là depuis toujours. On va leur mettre une carrière dans la tronche. Avec des tirs de mine, des camions. Ça fait chier. C'est-à-dire que l'ancienne mairie a accepté ce truc-là. Tous les habitants de Saint-Nazaire ont viré l'ancienne mairie, ont mis une nouvelle mairie. Ça veut bien dire que nous, on n'en veut pas. Il y a toutes les mairies autour, quasiment, qui n'ont pas été favorables, qui ne sont pas prononcées. C'est pas possible de faire autrement. Le parc du Vercors a dit non. Le parc du Vercors a dit non. Alors moi, je me suis senti tout de suite concerné. Après, il y a plein de mecs d'ici, moi j'en connais plein, qui ne sont pas vraiment concernés. En fait, c'est facile de dire oui, je me sens pas concerné. Mais je pense que ces gens-là, je me parie, mais deux billets même, que tous mes potes, qui sont des mecs qui aiment bien la campagne, qui sont des mecs qui aiment bien la nature, qui aiment bien se balader, je suis sûr qu'au premier camion, ils vont gueuler. Vous allez voir que dès que les gens ils pourront plus se balader, ça va gueuler. Donc, au lieu de gueuler après, venez, on gueule avant, on n'est pas d'accord, on ne veut pas. Si on fait ça, le préfet, il va quand même se dire, bon attendez, il y a le parc du Vercors, il y a tous les maires qui sont pas d'accord, il y a tous les habitants qui ont viré l'ancienne mairie. Moi, pour moi, si le préfet rend une décision favorable à la carrière, c'est que soit il nous a pas écoutés, soit il a les intérêts dedans. Si il dit non, même s'il dit oui, je pense que bah, la carrière va quand même essayer de gratter encore. Donc bah, on va être obligé d'engager des avocats, de mettre un peu d'argent dans ce projet. Moi, je suis prêt à mettre de l'argent. Dites, au moins, je suis pas d'accord avec cette carrière. Si j'ai vraiment envie de faire un truc, allez aux manifestations, mettez-le sur Facebook. Je pense que cette carrière, on oublie, c'est pas grave, c'était un coup dans l'eau, tant pis, on vous en veut pas. Maintenant, venez, on arrête, on va se balader, on va boire des coups. Et on oublie tout ce truc-là, je pense que ça sert à rien de mettre une carrière ici. On est dans la nature, on en profite, profitons-en quoi. Surtout que ça va pas nous profiter plus que ça. Donc si c'est juste pour l'argent, c'est pas grave. On fera de l'argent autrement, tant pis, c'est pas grave.